Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli short au crochet. Il est adaptable donc à toute taille, à tout âge. Vous pouvez le faire beaucoup plus long, beaucoup plus court. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je l'ai fait donc pour moi parce qu'il va me servir pour quand j'accompagnerai mes enfants à la piscine ou même mieux pour traîner à la maison. Donc, pour ce petit modèle, il m'a fallu exactement, j'ai le papier dans la main, il m'a fallu exactement 150 grammes pour obtenir cette taille-là. Et je tiens également à faire un petit remerciement spécial à une de mes abonnées, qui est plus qu'une abonnée avec le temps. Parce que durant la traduction de ce tuto, j'ai coincé sur un mot. Donc je ne pouvais plus avancer, parce que si on coince sur un mot, ce n'est pas facile. Et grâce à elle, j'ai pu comprendre que voulait dire ce fameux mot et continuer le tuto pour pouvoir vous le présenter. Donc, je la remercie mille fois et je lui fais un gros bisou pour son aide. Voilà, donc moi là, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce très joli short au crochet, vous pouvez donc le faire pour tout âge, pour toute corpulence, il n'y a aucun problème. J'ai décidé, puisque j'avais adoré quand j'ai fait la jupe, j'ai adoré ce coloris, puis surtout travailler avec c'est du coton, mais c'est tellement doux qu'on dirait de la laine. Donc, j'ai repris la même chose du Katia Candy. Et la couleur 662, et je vais travailler avec le crochet numéro 3. Donc vous prenez ce que vous désirez, coton, laine ou autre, et ce sera adaptable. Alors on va commencer déjà par faire notre nœud de base. On positionne notre fil dans ce sens-là, on fait le tour de notre doigt, on sort un petit peu notre boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, c'est fait. La première maille en l'air qu'on va faire, on ne va pas la compter. On va retirer dessus pour faire un nœud renforcé. Maintenant, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond juste à la largeur que vous désirez votre ceinture. Parce qu'on va commencer par la ceinture de notre short. Alors, moi, je vais faire, je ne sais pas, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 10, non ça fait petit comme ceinture, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Et 20 ça me semble parfait, donc moi j'ai fait 20 mailles chaînettes, c'est la ceinture, le haut du short. Ensuite on va, donc on va aller dans la première maille. Donc, non, on passe la première, on va dans la deuxième, pardon, on fait une maille serrée. On va dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée également. Vous allez faire tout le premier tour, une maille serrée dans chaque maille chaînette de départ, tout simplement. Alors, quand vous avez fait votre premier tour, simplement maille serrée, là on peut, si je le mets droit comme ça, ça va faire la largeur de ma ceinture, ce sera ça la largeur de ma ceinture. Ensuite vous allez tout simplement, si j'arrive, voilà, faire une maille en l'air, tourner votre travail. Vous allez faire maille serrée dans maille serrée, sauf que on va plus prendre les deux fils. On va prendre simplement le fil qui se trouve sur le haut et vous faites une maille serrée. La maille suivante, vous prenez le fil sur le haut, une maille serrée. Vous allez simplement continuer à travailler en maille serrée, mais sauf que cette fois-ci, on ne prendra que le fil qui se trouve sur le haut. Donc, vous allez terminer votre deuxième tour de cette façon-là. Quand vous avez à nouveau travaillé tout votre tour de cette façon-là, vous allez faire une maille en l'air, tourner votre travail et recommencer exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée et toujours le fil qui se trouve sur le haut. Donc, on voit bien ici le fil sur le haut. D'habitude, on prend les deux. Là, on va simplement prendre celui qui se trouve sur le haut
On va faire une maille serrée. Vous allez, comme le principe est exactement le même pour tous les autres tours, faire exactement donc le même principe que ce qu'on est en train de faire sur la longueur totale de votre taille. Ça veut dire que vous allez le positionner au fur et à mesure, faire le tour sur vous, le diamètre, et voir pour qu'il soit vraiment bien ajusté. Donc toujours le fil sur le haut. Et faites bien attention à une chose pendant que j'y pense. C'est la dernière maille, on la voit rarement parce qu'elle est un petit peu cachée. Celle-là aussi, il faut bien la travailler, autrement ça vous fera tous les tours une maille serrée de moins. Donc quand on a refini, on fait une maille en l'air, on tourne à nouveau notre travail et on reprend maille serrée sur maille serrée en prenant que le fil sur le haut. Et vous allez donc faire ce même procédé, voilà, sur la longueur totale qui fasse le tour de la taille pour qu'ensuite on puisse faire le bas du short. Alors, quand vous avez fait, donc, vous voyez là ici, la même procédure sur toute la longueur qui correspond donc à votre taille, vous aurez remarqué que c'est un point élastique. Donc ça, vous pouvez même l'utiliser pour les jupes que j'ai pu vous montrer. Simplement commencez par cette façon de faire, ça fait déjà la ceinture. Donc quand vous avez fait, en mesurant bien sur vous, on va faire la maille en l'air, on va tourner notre travail. Sauf que cette fois-ci, on va unir les deux côtés ensemble. Donc vous prenez l'autre côté, comme ceci. On va entrer ici dans les fils que l'on voit sur le haut. Donc vous entrez, vous ramenez et vous faites une maille serrée. Vous prenez donc d'un côté où vous prenez que le fil sur le haut. Vous prenez le deuxième côté, vous prenez le fil que l'on voit bien ici qui ressort. Maille serrée. Vous reprenez ce côté-là en prenant le fil du haut. Vous vous mettez bien face au fil de l'autre côté. Une maille serrée. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on ait uni les deux côtés ensemble. Ce n'est pas forcément évident d'attraper le fil de l'autre côté, mais on y arrive. Comme ceci. Voilà. Donc, et vous allez... Là, voilà. Vous allez donc faire ce même procédé jusqu'à votre dernière maille. Voilà, donc quand vous avez uni les deux côtés, ça nous donne ça. La fermeture de notre ceinture. Moi maintenant, là, on va faire un motif qu'on vous connaissez déjà, qui est très facile. Si vous désirez, par contre, imaginons faire ce short pour un garçon, au lieu de faire ce que moi, le motif que je vais faire, vous pouvez simplement faire que des brides. Ça veut dire que si vous désirez faire que des brides, vous allez faire vos trois mailles, voilà, vos trois mailles en l'air. Et vous allez faire une bride, deux brides par espace, tout simplement. Donc, je ne vais pas faire des brides, on va faire un autre motif qui peut également passer pour garçon. C'est pas approprié qu'aux filles. On va faire deux mailles en l'air. On va faire un jeté. Ici, on voit qu'on avait fait les mailles, on a le petit relief. Donc vous allez passer le premier relief ici, vous allez aller juste avant le deuxième, on voit bien ici, et vous allez faire une bride. Une maille de séparation, vous revenez dans le même espace, vous refaites une bride. Vous faites un jeté, vous passez le prochain relief, vous allez juste avant le suivant. Donc on a ici le premier relief, on va juste avant le deuxième relief. On voit bien ici, je ne vais pas m'accrocher dans le dernier fil ici, parce que ça risque d'être pas très solide, donc juste un petit peu avant. Et je refais pareil. Une bride,
une maille de séparation, même espace, une bride. Ensuite, vous continuez. Donc le jeté, vous passez le premier relief, on a ici le deuxième, donc juste avant le deuxième, vous faites la même chose. Une bride, une maille de séparation, même espace, une bride. Un jeté, on passe le prochain relief, on va juste avant le deuxième et on refait exactement la même chose. Une bride, une maille de séparation, dans le même espace, une bride à nouveau. Un jeté, vous passez donc le premier relief à côté, vous allez juste avant le deuxième et vous refaites une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Vous avez fait tout votre tour, donc de la même façon, ça nous fait des sortes de petits V, comme on a déjà fait à plusieurs reprises. On va simplement, dans la deuxième maille, on avait fait deux mailles en l'air au départ, dans la deuxième, on va fermer avec une maille coulée, tout simplement. Vous allez terminer tous vos tours de la même façon et vous allez commencer tous vos tours de la même façon, avec une, deux mailles en l'air, un jeté. Maintenant, on va travailler à l'intérieur de ces petits V, on voit ici. Donc, après deux mailles en l'air, le jeté, on va à l'intérieur du premier espace, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une bride. On n'a fait que répéter, c'est ce qu'on va faire en fait sur tous les tours qu'il le faudra, c'est exactement la même chose. Donc, le jeté, on passe directement à l'intérieur du prochain V, on refait pareil, une bride, une maille de séparation dans le même espace, une bride à nouveau, un jeté à l'intérieur du prochain petit V, on refait une bride, une maille de séparation, même espace, une bride, un jeté, prochain petit V, une bride, une maille de séparation et toujours dans le même espace, une bride. Donc vous allez répéter le même procédé qu'on a fait avant sur tout ce tour. Alors quand vous avez terminé, vous inquiétez pas, j'en ai fait quelques-uns en plus, mais c'est comme si on venait de finir le deuxième comme on devrait finir le deuxième là. Parce que tous les tours sont vraiment exactement la même chose, là on voit bien. Donc moi j'ai un petit peu pris de l'avance. Donc à tous les tours, vous allez terminer dans une, deux, dans la deuxième maille de départ, avec une maille coulée. Vous terminez tous vos tours comme ça. Pour commencer les nouveaux, vous commencez avec deux mailles en l'air. Vous allez directement dans l'espace du petit V. On voit bien ici la forme du petit V. Vous allez à l'intérieur et vous refaites exactement la même chose. Une bride, une maille de séparation, même espace, une bride. Vous ne faites que répéter. Un jeté dans l'espace suivant du petit V, vous refaites le petit V. Une bride, une maille de séparation, une bride à nouveau. Un jeté, espace suivant, une bride, une maille de séparation, une bride dans le même espace. Un jeté, toujours à l'intérieur de l'espace du petit V, vous refaites la même chose. Et ça, vous allez le faire, c'est pour ça que j'ai déjà avancé un petit peu, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à la moitié des fesses. C'est plus simple, c'est plus clair comme ça, pas de mots compliqués. Vous allez donc continuer le même procédé d'exactement de la même façon, rien qui change, jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de rangs nécessaires qui arrive à la moitié des fesses. Parce qu'à la moitié des fesses, on va faire des augmentations. Alors là, je vous laisse terminer votre tour de cette façon-là. On se retrouve pour la suite. Vous avez fait donc le nombre de tours nécessaires. Moi, j'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 tours. Voilà. On va simplement maintenant, donc fermer toujours de la même façon, ici. Dans la deuxième maille, on va fermer avec une maille coulée. Maintenant qu'on est au niveau à la moitié des fesses, on va simplement faire des augmentations parallèles. Donc on va les faire de ce côté quand on va démarrer et de ce côté quand on va terminer. Pour les augmentations, vous allez continuer à faire les deux mailles en l'air qui ne changent pas. On va aller dans le premier petit V, où on va faire le petit V. Voilà. Les augmentations se font
dans les espaces qui séparent les petits V. Donc ici, on a le prochain, on a l'espace au milieu. Donc vous allez dans le premier espace qui sépare bien les deux petits V et vous faites un petit V là-dessus aussi. Donc une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. Ça vous fait votre première augmentation. Ensuite, donc, on répète le V. Dans le V, ça ne change pas. Donc j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais de nouveau dans le prochain espace qui sépare les deux V et je fais de nouveau un V. Donc, une deuxième augmentation. Dans le V, dans le V, on fait le V. Là, on a fait, si on regarde bien, deux augmentations. Vous pouvez en faire plus. Ça, c'est par rapport à la corpulence de la personne pour qui vous le faites. Moi, je vais quand même en faire un troisième. Donc, dans le prochain espace qui sépare les deux V, je refais un V. Ensuite, je vais simplement continuer en travaillant V sur V, donc bride, maille de séparation, bride dans le même espace. Je vais dans le prochain espace du petit V, je refais le petit V. Et si vous, donc ici, vous allez continuer simplement en faisant maintenant répéter les V, plus d'augmentation. On va se retrouver ici, de ce côté-là, parce qu'on a fait trois augmentations ici, qu'on va faire exactement de ce côté-là, vers la fin. Les augmentations restent bien parallèles. Alors, quand vous avez fait le tour, simplement, donc comme je vous montre, ensuite, simplement en faisant les petits V, moi ici, donc comme je vous ai montré, j'ai fait trois augmentations. Alors, pour que ce soit bien équilibré, on va faire exactement trois augmentations à la fin. Donc ici, on voit que j'ai laissé un espace, deux et le troisième. Si vous avez fait que deux augmentations de ce côté-là, vous faites que deux de ce côté, donc il n'y a pas de... Alors là, je vais aller dans le... J'ai bien compté que je laisse bien trois espaces entre chaque pour faire justement mes trois augmentations, tout simplement. Comme ça, le short sera bien symétrique à l'arrière. Donc dans chaque petit V, je fais le petit V, ça ne change pas. Et là, je fais mes trois augmentations comme j'ai fait au départ. Donc à nouveau, on va simplement compter une, deux, la deuxième on ferme avec une maille coulée. Là, vous allez faire, donc le nombre de tours d'augmentation dépend aussi de la corpulence de la personne. Moi, personnellement, je vais en faire trois au total. Donc il y a le premier, je vais faire deux tours de plus avec des augmentations. Ça veut simplement dire que vous allez reprendre avec vos deux mailles en l'air de départ. Dans le premier petit V qui est tout de suite devant, je fais le petit V. Ça ne change rien de ce qu'on vient de faire. Dans l'espace qui se trouve là, qui sépare les deux V, dans cet espace-là, je fais ma première augmentation. Dans le V, je continue à reproduire mon V. Dans l'espace qui sépare les deux prochains V, qui se trouve ici, je refais ma deuxième augmentation. Dans le V, je fais le V. Et dans le prochain espace qui sépare les deux V, je fais ma troisième et dernière augmentation. Ensuite, je vais faire que continuer V sur V, V sur V. Là. Un petit nœud dans la laine, c'est pas drôle. Voilà. Donc là, je continue tout simplement maintenant tout le tour de nouveau en V sur V. Je fais plus d'augmentation. Par contre, ne pas oublier de faire le même nombre d'augmentations de l'autre côté quand on va terminer. Moi, je vais au total en faire... Là, on vient de commencer notre deuxième tour d'augmentation. Je vais faire un troisième. On se retrouve après. Alors, après avoir fait le nombre de tours désirés d'augmentation... Et fermé.
Vous allez reprendre avec deux mailles en l'air et simplement maintenant, vous allez travailler que dans les espaces des petits V, tout simplement. Donc dans chaque petit V, vous mettez un petit V. Donc une bride, une maille de séparation et une bride. Donc et là, vous allez simplement, sans augmentation, sans rien, juste reproduire les V. Et vous allez maintenant donc faire un nombre de tours nécessaire jusqu'à l'entrejambe. Tout simplement, donc, je ne sais pas la taille que vous... C'est en fonction de la personne, donc. Vous pouvez en faire 3, 4, 5, je ne sais pas, pour qu'on arrive ensuite à l'entrejambe où on va séparer les deux côtés. Donc maintenant, je vous laisse continuer simplement... V sur V, on ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus rien. V sur V, le nombre de tours nécessaires pour qu'on arrive à l'entrejambe et qu'on puisse séparer les deux côtés. Tout simplement V sur V. Là, je vous montre parce que j'ai déjà... Moi, j'ai fait en tout, donc après les augmentations, j'ai fait 3 tours, 3 rangs sans augmentation. Ça vous donne ça. Ça, c'est normal, les petits... Ça arbitre comme ça, c'est logique, c'est les augmentations qu'on a fait. Alors maintenant, vous allez justement le positionner bien à plat. Vous le mettez bien à plat, vous essayez de faire en sorte d'avoir que la partie du centre soit bien centrée. Donc c'est assez logique, la partie du centre bien centrée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit bien, bien équitable des deux côtés. Et vous allez, donc ici j'ai pris un petit marqueur. Comme ceci. D'ailleurs, j'ai changé de marqueur. Les anciens que j'avais étaient plus casse-tête qu'autre chose, donc j'ai pris ceux-là. Si jamais je les ai... On me demande souvent où j'achète. Ceux-là, je les ai pris sur Amazon. Ils sont beaucoup plus pratiques que les anciens que j'avais. Donc, quand vous êtes... Donc, moi, d'après, en ayant bien placé droit les deux, pour moi, là, c'est équitable des deux côtés. Donc, j'ai les mêmes centimètres d'un côté que de l'autre. Alors, on va reprendre simplement notre crochet. Donc, de l'autre côté de la jupe, vous allez faire votre petit marqueur à l'intérieur d'un petit V, comme j'ai fait. Alors, maintenant, on va juste retirer le marqueur. Ensuite, vous entrez donc à l'intérieur de votre petit V de l'autre côté et vous faites une maille coulée. Vous allez faire deux mailles de séparation. On va reprendre ce côté-là, où on était, et là, on va simplement... Continuez à faire les V, rien de plus, comme on les a fait jusqu'à présent. Donc avec une bride, une maille de séparation et dans le même espace, une nouvelle bride. Là, vous allez simplement continuer le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté où on s'était accroché avec une maille coulée. Alors, je vous laisse faire cette façon-là, on se retrouve de l'autre côté. Alors, quand vous êtes arrivé de l'autre côté, comme ici, on voit bien que je suis arrivée au point. Là, on va simplement... Là. Ici, on a le petit V dans lequel on s'était accroché avec la maille coulée. Donc là, vous allez faire votre V. Quand on a fait le V, on va maintenant tourner un petit peu. On avait fait les deux mailles en l'air de départ, si vous vous rappelez bien. Donc, vous allez dans la deuxième. Une, deux. Vous allez dans la deuxième maille que l'on a fait. Et vous fermez avec une maille coulée. Voilà. Pour tous les autres tours, vous allez faire pareil. Vos deux mailles en l'air. Dans chaque V, vous allez reproduire le V, tout simplement. Dans chaque V, vous reproduisez le V. Et ça, sur le nombre de tours que vous désirez, sur la longueur totale maintenant. Vous pouvez faire, comment on appelle ça, vous pouvez le faire en pantalon. Un pantalon long de cette façon-là, ce serait vraiment super joli aussi.
Vous pouvez le faire en short court, comme là, juste avec un tour. C'est vraiment à vous d'adapter maintenant la suite. Vous allez faire un nombre de tours que vous désirez sur la longueur totale de votre short. Vous n'allez faire que des V sur V. À la fin, vous fermez toujours. Dans la deuxième maille de départ, vous refaites deux mailles en l'air, vous refaites le tour. Donc ça, vous allez le faire d'un côté. Quand vous avez terminé votre premier côté, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc je vais me mettre voilà, dans le bon sens. On avait commencé comme ça. Donc quand vous avez ici, vous avez le nombre de tours que vous désirez. Ensuite, vous allez simplement, donc je me suis encore mis à l'envers, c'est pas vrai, pardon, on va y arriver aujourd'hui. Donc quand vous avez fait ici 2, 3, 4, j'en sais rien, un nombre de tours que vous désirez, vous faites la même chose pour l'autre côté. Vous allez revenir ici dans le V, dans ces deux V-là, parce que là on doit les attraper les deux. Oui. Non, pardon, un bug, c'est habituel je crois à force. Donc oui, vous allez bien attraper les deux. Donc vous reprenez votre fil, vous attrapez les deux, moi ici comme d'habitude je vais faire le nœud. Ensuite vous le ramenez, vous faites vos deux mailles en l'air et vous allez simplement répéter V sur V. V sur V, le nombre de tours nécessaires pour avoir la même longueur des deux côtés. Alors là je vous montre le travail fini. Moi j'ai fait en tout 4 tours. 1, 2, 3, 4. J'ai coupé, caché mes fils à l'intérieur et j'obtiens un superbe short. Vous pouvez donc le faire beaucoup plus long. Moi sincèrement je l'ai vraiment fait pour... Donc avec mes mesures à moi, et beaucoup pour traîner à la maison. Donc je l'ai fait assez court. Ou alors quand j'irai à la piscine avec mes enfants, où je pourrais le mettre. Mais si je comptais l'utiliser plus souvent dans d'autres situations, je pense que je l'aurais fait quand même un petit peu plus long. Voilà, alors j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.